j'attends maman dans la voiture pour aller au magasin, aller chercher Charlie et tout. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, Alison vous a fait une petite ouverture de vlog, je crois. Oui. Du coup, comme elle vous a dit, nous allons faire une journée shopping avec les filles, voilà, avec les sous qu'elles ont eu pour leur Noël, Alison pour son anniversaire aussi. Et puis voilà. Rien de fou, mais je sens que la journée va être épuisante. Il est 10h, on décolle 10h15 même, je crois. Ouais, il est 10h15, on décolle maintenant parce que je dois passer faire un petit truc vite fait d'abord. Et ensuite, ensuite on décolle, on récupère Charlie chez ma maman parce que Charlie est chez ma maman depuis lundi. Et puis voilà. Ah ben voilà, répondu. Donc, c'était Charlie pour savoir où nous sommes. Ma maman a cassé son téléphone, la loose. Bon bref, on se dépêche. Voilà, comme ça je vous garde pas 300 ans là. On vous reprend quand on arrive sûrement à Avignon et voilà. Ça là, juste là, c'est le resto d'Andrew. On a récupéré Charlie, les amis. Elle nous avait pas manqué. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. Bon, du coup, on décolle de chez Maron et on va direction Avignon. Je suis au bout de ma vie de devoir aller dans les magasins. Je sais pas si vous pouvez imaginer le truc. Vraiment, vous me connaissez depuis un moment maintenant pour certains. Vous savez que j'aime pas du tout les magasins, j'aime pas le monde, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas les gens, mais. Mistral 7, nous voilà. Go H&M, nous voilà. Du coup, Alison, elle s'est déjà pris ça. C'est des faux ongles. Elle a pris ça à Claire's. C'est trop beau. C'est trop beau. De toute façon, on leur fera voir. Oh, j'adore ce style de pantalon. J'aimerais trop tenter de mettre des trucs comme ça dans mes cheveux, mais je sais pas si ça m'irait en vrai. Je trouve ça beau sur les autres, mais sur moi, je sais pas si ça ferait joli. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais tenter? J'aime bien cette couleur, elle est jolie, je trouve. Les bonnets, je sais que ça me va, j'aime trop. Mais je peux pas passer ma vie avec des bonnets quand même. Quoique, franchement. Là, il est vraiment trop beau. Vu les cheveux gras des fois, je pourrais. Au moins ça cacherait la première round terminée. Du coup, premier round terminé, on sort de Mistral 7. C'était hyper. J'en ai marre en fait de ces masques là, tu te maquilles mais regarde-moi ça. Ça me déprime. Donc, je vous disais qu'on a fini le premier round. On va à Action maintenant et après on s'en va sur le Ponté. Elle mangera un bout sur le Ponté. Il est midi mais on n'a pas faim déjà. Donc voilà. Voilà l'état des masques après le maquillage. J'en ai marre moi. Je veux un temps où on pouvait se maquiller sans avoir le masque et que ça nous bousille tout notre maquillage. J'en ai marre. J'en ai marre. Je me maquille qu'en haut. Second round. C'est parti. Alison, elle m'a mis de son gloss. Je trouve ça trop beau les gloss. Mais ça colle de partout. Bon, on est sorti d'Action les gars. Et maintenant, on s'en va au Ponté. Allez, motivation. On vient d'arriver au Ponté. Oh, il fait trop froid ici. C'est quoi le délire?
On a changé de dimension ou quoi? Comment ça se passe? Ouais, bon, du coup, c'est ça, le temps il est complètement fou à la maison, il pleut. Mais à mon avis, ça va arriver ici aussi, parce que vu comment il fait trop froid d'un coup, là, c'est un truc de fou. On avait le soleil tout à l'heure à Avignon, et là, on arrive au Ponté, juste quelques kilomètres qui diffèrent. Il fait trop froid. Ah, ça sent bon. Non, non, non. Allez, moi, j'attends de rentrer pour manger les pâtes au saumon qui reste d'hier, et les filles vont se prendre un sandwich ou quoi ici. Voilà. Oh, il fait trop froid, c'est un truc de ouf. Bon, go. Ça part. Sandwich au thon pour que mesdames puissent manger vite fait, et on va vite à Cultura ou Action d'ici, et puis on rentre. Voilà, allez, Action, second round. Mais d'abord, on va aller faire un tour là, on va aller voir les animaux. Tu veux un chihuahua? Bien sûr, c'est beau de rêver, c'est beau de rêver. Let's go. Ils sont trop canons. Regardez, il est trop mignon celui-là. C'est trop chou. On sort de Cultura, on rentre à la maison. Il est magnifique, oui. Le Disney. Celui de Disney. Iconique. Il est rouge, mon pote. Il est pétale. Trop beau. Alice en a voulu prendre des vinyles pour mettre sur son mur dans la chambre. Elle veut commencer à en mettre quelques-uns. Voilà. J'aimerais bien aussi écouter, mais... J'aimerais bien aussi écouter, mais on n'a pas de musique. Pas de voilà. Bref, du coup, on rentre à la maison. Je n'en peux plus. Je vais aller vider ma carte parce que je vois qu'il n'y a plus de place. Et on vous fait un gros haul de tout ça. Bon, les amis, du coup, nous sommes rentrés de Action, de Cultura, de H&M. On est à Alive, on a été à la Fnac, mais eux c'est des gros cons, bref. On a été aux deux actions. Aux deux actions. On a été à Claire, à Kiko. Et je crois que c'est tout. Ouais. C'est pas mal, vous allez me dire. Et du coup, on va vous faire voir tout ce qu'elles ont acheté. On va commencer par Shirley. Donc, à Kiko, elle s'est repris son concealer, celui-là. 5,4. Ouais, elle aime trop. Il fait 5,99€. Et j'avoue que je l'avais bien aimé moi aussi quand je l'avais pris à l'époque. Et elle a pris la teinte 02. C'est celui-ci. Et franchement, il est vraiment bien. Ouais, toi, tu t'en sers pour faire tes sourcils. Mais il est trop, trop bien celui-là. Il est hyper plus grand, je trouve. Et ça rentre pas dans les petits... comment ça s'appelle? Dans les petits stridules qu'on a là. Donc ouais, je l'aime bien. Tu veux la boîte? Tiens, cadeau. Ensuite... On a été donc à H&M, et à H&M, elle s'est pris deux pulls trop canons. Je suis jalouse. Donc, elle a pris celui-là, il faisait 24,99€. C'est des gros pulls en laine comme ça. Il est beige, il est trop canon. Il y a un petit col comme ça, un petit peu là. Il est trop beau. J'aime trop les grosses mailles comme ça dans la laine. J'aime trop. Ensuite, elle en a pris un autre à 19,99€. Je crois qu'il faisait celui-là. Oui. Et il est... tout pilou pilou. Il est tellement doux comparé à l'autre encore. Et ça fait un gilet en fait. Vous voyez? Trop mignon. Il est trop canon. Pour faire un gilet aussi. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien. J'aime trop. J'aime trop. Oui. Ensuite, elle s'est pris un coussin comme ça. Ça, c'est à Action. Il est trop canon. Regardez. Il est trop, trop beau. Elle aime bien avoir un lit rempli de coussins. Donc, elle a acheté aussi un recourbe-cils comme ça. Donc, j'espère qu'il sera bien. On verra bien ce que ça donnera. Elle nous en dira des nouvelles et je vous dirai. Elle a pris ensuite des fossiles parce qu'elle en avait pris une paire qu'elle aimait bien. Et je sais pas, on a dû en jeter un ou je sais pas. Je sais pas, bref. Et là, on sait bien parce que du coup, il y a la boîte. Donc, c'est pratique. Donc, tu les rentres à l'intérieur. Donc, il y en a trois paires. Bon, elle les a achetées essentiellement pour celui-là ou celui-là. Voilà. Elle verra bien, elle les essaiera et elle verra bien. Il y a la petite pince qui va avec. Ça, c'est pratique. Ouais, on arrive. Et vous avez la petite boîte comme ça. Il y a marqué quoi? Wake up and make up. Ok. Ensuite, elle s'est pris des petits lots comme ça, vous savez, de flacons vides pour quand elle va chez mamie, quand elle va chez tati, quand elle va chez les copines, ou peu importe. Elle peut prendre son goût, un peu de gommage, un peu de... voilà, quoi, de ce qu'elle a besoin. Ensuite, elle a pris... une brume parfumée comme ça. Franchement, elles sentent trop, trop bon. Ces brumes parfumées, franchement, elles sentent trop, trop bon. Vraiment. Celle-ci,
Ça sent un petit peu fruité là. Mmh, j'aime trop. Elle a pris aussi donc ce petit miroir-ci. Voilà, je vais vous le faire voir directement. Comme ça au moins, vous verrez à quoi il ressemble. Bonjour. Et regardez ça, si ce n'est pas du miroir de princesse. La classe à Dallas. Il est vraiment joli. Ensuite, toujours à Action, elle a pris un fer à boucler comme ça. On essaiera, on verra ce que ça donne. Bon, c'est peut-être pas un truc de fou, mais... La marque L. Ouais. On verra si ça fonctionne correctement. On vous dira, on fera un petit essai et on verra ça. Elle a pris aussi une petite boîte comme ça. Elles sont trop canons, ces petites boîtes de chez Action. Je trouve que c'est trop mignon. Pour mettre sur une coiffeuse, pour mettre n'importe quoi. Elle va mettre ses cotons, ses cotons de tige, bref. Elle va mettre tout ça à l'intérieur. Et pour terminer, elle s'est pris... Et ça faisait 300 ans qu'elle me saoulait avec. Le livre de Léna, Situation, plus égale plus. Bref, elle vous raconte un petit peu sa life, on va dire, à l'intérieur. Et vous avez des trucs à remplir. Ce truc de développement personnel, en fait, qu'elle fait. Et apparemment, il est pas mal. Donc, c'est le premier livre que Shirley va lire de sa vie qu'elle s'est acheté. Donc voilà, tout ça, c'était Shirley. Je vais vous faire voir moi ce que j'ai pris à Action vite fait. Mais voilà, franchement, j'ai rien pris de fou. J'ai juste pris 3 paires de chaussons pour les filles. Elles en ont pris une chacun. Ouais, elles ont au pied. Donc je ne peux pas trop vous les faire voir là. Je vous les ferai voir après au pire des cas quand j'aurai fini de filmer cette partie-là. Je vous ferai voir ça. Et donc, ben oui, je vous fais voir le reste que j'ai acheté. Et ça, si j'ai acheté tout ça, c'est à cause d'Aurélie, de la chaîne Aurélie, voilà. Parce que c'est que des petits trucs comme ça que j'ai acheté. Il y en a 6. Donc, à force de regarder ces vidéos, je me suis dit, il faut absolument que j'en prenne et qu'on goûte, qu'on teste, parce qu'apparemment, c'est juste des tueries. Donc, j'ai pris ceux-là, c'est des petites cacahuètes au caramel beurre salé. Ça va être trop bon. C'est des trucs, c'est des chocolats belges. Après, il y avait, moi, j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa, parce que je sais que ça, les loulous, ils aiment bien, on en a souvent pris, etc. Mais voilà, des trucs individuels. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi, pareil. And peanut. Mélange de graines de soja, fèves, arachides enrobées et snack de maïs au goût barbecue. Voilà. Ensuite, j'ai pris cela caramel love sweet snack mix. Donc voilà. Il y a des petits bretzels, il y a des petites. C'est chocolat. À mon avis, ça doit être. Sucré-salé. Ouais, sucré-salé. Donc pareil, chocolat belge. Mélange de boules maltées avec du chocolat au caramel, des boutons de chocolat noir, des bretzels, des cacahuètes enrobées, d'une combinaison de chocolat blanc, de caramel et de sel de mer. Tu sais, ça va être bon. Hein, tu sais que ça va être bon, ça. Attends. Donc voilà pour celui-là. Ça, je crois qu'elle va vous voir aussi. Il paraît que c'est trop, trop bon. Vous savez, c'est un peu comme des roses des sables, mais à l'intérieur, il y a aussi des amandes. Ça va être trop, trop bon. J'ai trop hâte de le goûter aussi. Là, les kilos. Ensuite, on a ça aussi, pareil, avec de la fleur de sel. Donc, c'est des petites cacahuètes enrobées de chocolat. Il y a du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait, apparemment, si je regarde et que je vois bien sur ça. Donc, ça, pareil, ça va être trop, trop bon. Et pareil, un truc de snack comme ça. Je trouvais ça trop bizarre, les petits trucs qu'il y a juste là. Attendez, ça. Je trouvais ça trop chelou. Je sais pas ce que ça va être du coup. J'en ai aucune idée. On verra bien. On goûtera. Et sauce. Craquelin de riz au goût saté. Donc on verra bien. On vous en dira des nouvelles. Quand on les goûtera, on vous dira ce que ça aura donné. Donc on passe à Alison maintenant. Parce que je fais attention. Ouais. Parce que la boîte elle s'ouvre. On est passé donc, comme je vous disais, chez Claire's. Chez Claire's, Alison, elle s'est pris ça. C'est des ongles là, des ongles que vous collez. Hein. C'est pas autocollant. Il y a du. Non, voilà. Colle, il y a quand même de la colle. Comme avant que je faisais avec le secret. Ok, d'accord. Ok, ok. Le collet, c'est pas rouge. Ouais. Donc il y en a 24 à l'intérieur. Elle a payé ça 9,99€. Donc elle mettra ça. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, elle va pas les mettre pour l'école. Donc voilà, c'est juste pour la maison. On verra bien ce que ça va donner. Ah, Kiko, elle s'est acheté un gloss. Trop, trop canon. C'est le 3D Lidra Lip Gloss. Quand on le regarde, c'est hyper gloss. Roule, mais quand on le met, ça fait juste un petit peu. Oui, roule, bah oui, c'est un gloss, quoi. Donc, au niveau de la teinte, c'est celle-ci, la 12. Canon. Tout à l'heure, je l'ai essayé. Non, j'en ai plus sur les lèvres. Tout à l'heure, je l'ai essayé. Là. Franchement, il est trop beau. Regardez. Ah ouais. Il est beau. Magnifique. Ouais, il est trop canon.
C'est pas un des plus pailletés qu'il y avait, bon. Mais... J'aime pas pourquoi il y a des paillettes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que franchement, ils sentent trop bon et quand vous le mettez là, vous avez l'impression que vos lèvres elles s'hydratent d'un seul coup en fait. C'est pour ça que j'aime bien les glosses. Je les aime bien pour l'effet que ça fait, le brillant et ce que ça donne aux lèvres. Mais je les aime pas parce qu'il y a tout qui colle avec les masques, les cheveux, les bisous, bref, il y a tout qui colle dedans. Mais sinon, il est super joli. Ensuite, tout le reste, c'est à action. Au niveau du miroir, bah, je vous le fais pas voir, mais c'est exactement le même que Charlie a pris. Voilà, donc elle s'en est pris un, elle aussi, donc c'est rien que je vous le fasse voir. Elle a pris un petit gel antibactérien, celui-ci. Et elle a trouvé trop mignon parce qu'il y avait le cactus en fait. Mais elle n'a pas ouvert. Voilà, il n'était pas ouvert. Ah ouais. Ah si, ça sent trop bon. Et elle n'a pas percuté que c'était à la menthe. Alors, elle déteste la menthe. Elle n'aime pas l'odeur. Elle n'aime pas rien. Donc la pauvre, tant pis pour elle. C'est un flop pour elle. Mais oh, il sent tellement bon. Ah, et ça colle pas. Ah, joie. On continue pour Alison, donc toujours à action, hop que je fasse rien tomber, elle s'est pris un coussin comme ça, c'est celui-là? Ah mais t'en as pris deux, d'accord, tu vas me dire mais c'est pas celui-là qu'on avait pris, ok, donc elle a pris un coussin comme ça, c'est pas mal doux, gris, couleur, là en fait. C'est trop doux, et puis là ça fait pareil tout doux mais fait un petit peu plus ouais. Comme croco, vous savez là, voilà, c'est de côté différent, elle le mettra selon son envie. Elle s'est pris aussi, je pourrais pas vous le faire voir en entier, il est mais, ah si presque. Un grand miroir, oh vous avez vu tout le bazar, admirez tout cela, un grand miroir, c'est la même chose que Charlie s'était pris. Mais moi il est beige. Et oui, toi j'ai il est gris. Entre beige, ouais, gris beige, beige un petit noir, peu là. Mais j'ai pris beige. Et franchement ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Là il y a un truc sur la première vitre, c'est pour ça que ça fait cet effet là. Mais la vitre elle est nickel, ça fait vraiment effet miroir, miroir, c'était pas le truc déformant ou quoi que ce soit. Donc elle s'en est pris un parce qu'elle en avait pas dans sa chambre. Tiens, je te fais passer de l'autre côté parce que j'ai peur de le faire tomber. Ensuite elle s'est pris un petit kit comme ça de pinceaux, ils sont trop mignons. Vous savez c'est les effets marbrés comme ça là. Celui-ci il est trop canon à mon avis pour faire... Il y a des deux côtés de, en fait, trop bien. Au milieu mais en fait ça fait tout verso. Comment ça? Au bout il y en a aussi. Ah oui d'accord, ok, il y a deux embouts. Donc là c'est pour que ce soit plus précis. Vous avez un petit peu comme une sorte de pinceau boule. Et en haut c'est pour estomper, là c'est pour les sourcils. Là vous avez un petit pinceau biseauté. Et puis un pinceau éventail comme ça pour l'highlighter. Voilà. Ensuite on continue. Elle a pris... Oh ça je vais lui voler un petit peu de temps en temps. Elle a pris une palette, je voulais la tester. Et puis du coup bon, moi j'avais pas pris, je m'en fous. Elle a pris une palette comme ça d'highlighter. De chez Action. Elle est trop belle. J'aime trop les palettes. Ils sont super jolis en plus. Ils ont l'air super jolis. La dernière fois, j'avais fait... Ah, mais ils sont fermés. Je voulais vous les swatcher pour vous faire voir un petit coup. Mais du coup, je ne peux pas parce qu'ils sont fermés. Essaie de l'ouvrir et je prévois au pire après. Ensuite, elle a pris ça. C'est une palette, mais pas pour les yeux. C'est une palette pour les lèvres. Voilà. Donc, vous avez plein de couleurs. Ça part du rouge, au rose, au corail, un petit peu bordeaux, machin et tout. Ça part dans les violets foncés, un petit peu prune. Donc, voilà. Elle aime bien les trucs comme ça. Après, ça fait un peu gloss. Hein. Ça ne va pas faire un truc super coloré. Mais voilà. Du coup, elle s'est dit que ça serait pas mal. Toujours dans le maquillage et tout. Ça pèse une tonne, ça. Elle s'est pris une boîte comme ça. C'est une boîte avec plein d'accessoires pour pouvoir mettre à l'intérieur son maquillage, etc. À l'intérieur, il y a plein de trucs. Il y a quatre petites... on va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir. Ah, oui. Donc, voilà. Comme ça, je vous le fais voir, ce sera mieux. Donc, vous avez trois tiroirs. Et dans chaque tiroir, donc dans le premier, vous avez pour mettre... attends, parce que le Beauty Blender, du coup, il se fait la malle. C'est très pratique à sortir. Vous essayez de sortir le truc, le Beauty Blender, il ne sait pas. Donc à l'intérieur, il y a deux petits Beauty Blender comme ceci. Ça, c'est bien qu'on mette le concealer, les tout petits comme ça, j'aime bien. Voir s'ils gonflent correctement, etc., etc. On verra bien. Il y a un petit miroir comme ça, un petit miroir de poche pour mettre dans le sac ou quoi. C'est quoi ça vole. Et ça, c'est pour mettre aux orteils pour faire les ongles des pieds. Vous mettez ça entre les orteils, vous attendez que ça sèche. Ensuite, dans le deuxième tiroir, vous avez tout pour faire une petite manicure. Vous avez une... Nima ongles. Ah ouais, il y a une pince à épiler. Vous avez deux petits coupongles, pardon. Un truc pour couper les petits. Moi, j'en ai un. Et un taille-crayon. Et ensuite, il y a d'autres petits pinceaux. J'avais pas vu ça. Hop, regardez. Vous avez un pinceau. Oh, ça va être la fin de la journée. Plat, un bijouté, un pour pareil pour les sourcils. Je veux juste regarder comment ils sont. Ah, ça va, ils sont bien doux. Ça, limite, tu peux mettre un petit peu de highlighter. L'autre pour le blush. Et l'autre pour le blush. Ouais, franchement, ouais. Ah, si, ils sont, ça va, ils sont doux. Ils perdent un petit peu leur poil.
touché. Non, ça va, c'en était juste deux qui étaient... Ah si, ça va être bien. Ils sont bien doux. Ouais, ouais, ouais. Je lui remets tout ça là-dedans. Je vais en profiter pour vous faire voir la palette d'highlighter. Franchement, elle a l'air vraiment jolie, cette palette. Vous savez que j'en ai plusieurs de palettes comme ça. J'en avais pris deux d'ailleurs, de palettes d'highlighter. Oui, elles sont trop belles. Non, une blush et une highlighter. Ouais, et franchement, ils étaient vraiment bien. Ah, celui-là, il a l'air trop canon. Et celui-là aussi. Il est trop joli. Et celui-là aussi. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous allez voir. Ah, si, vous allez... Si, vous le voyez là, non? Oui, si, si, vous le voyez. Là, regardez. Ah, il est canon. Ah, si, celui-là. Oh, maman, celui-là aussi, il est beau. Ah, ouais, je l'aime trop. Ah, ouais, franchement, il est trop beau. Celui-là, il est foncé. Donc, peut-être un petit peu moins, celui-là. Celui-là aussi, il est beau. Ah, ouais. Il a des effets un petit peu rose. Ah, ouais, non, il est canon aussi. Ah, ouais, mais une fois sur la peau, par contre, celui-là, on le voit beaucoup moins. Le blanc. Non. Non. Ouais, au niveau. Franchement, sur la peau, celui-là, on le voit quasiment pas. Le tout blanc qu'il y a dans la palette, mouette, mouette. Par contre, celui-là, là, en haut, là, il est vraiment canon. Vraiment. Ah non, c'est celui-là, pardon. Ouais, le rose, il est pas fantastique non plus. Ah si. Ça va, le rose, il est joli aussi. En vrai, tes bouts de base. Le rosé, comme ça, il est trop beau. Donc, cette petite palette, je valide. On passe à la suite. Elle a trouvé des boules de bain. Voilà, parce que les boules de bain, c'est la vie, j'aime trop les bains, mais ça coûte trop cher en eau et après on n'a plus d'eau chaude pour les autres, mais c'est trop la vie les bains. Il n'y a pas marqué à quoi ça pourrait être parfumé ou quoi. Ah, lui ? Non. Il n'y a pas le nez de celui-là, elle aimerait bien. Ouais. Ah, celui-là, c'est une fleur de palmier. Bref, ça, c'est la vie aussi, les boules de bain, on l'adore. Après, ça, c'est plus les gourmandises. Elle a pris des Reese's. Ça, c'est mon péché mignon. Oh là là, j'ai peur de cacahuètes, c'est la vie. Après, elle a pris ça. C'est... Moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, ça a le goût de salami. Voilà. Et ça, ils aiment trop. Ils aiment trop, mais c'est dégueulasse. Ouais. Ensuite, elle a pris... Ça, on le prend toujours à chaque fois quand on va là-bas, évidemment. Et pour terminer avec la... nourriture. Enfin, nourriture, oui, ça fait partie de la nourriture. Elle a pris un oasis fruits rouges comme c'est ça. Préférée, c'est, voiture, ouais, c'est vrai qu'ils sont super bons. Tiens, tu le veux? Oui. Cadeau. Bon. Elle a pris ensuite... bah, elle testera. Et puis moi, je testerai aussi en démaquillant parce que je crois qu'on n'en est plus. Je testerai ça ce soir. C'est un démaquillant biphasé de la marque Alvira. Vous savez que voilà, c'est la marque qui a vachement action. Donc, on testera. Vu que c'est un biphasé, je testerai. Et je vous dirai si ça va bien démaquiller ou pas. Je vous mettrai là parce que je n'aurai pas monté le vlog d'ici ce soir. Donc, je vous dirai ça. Et après, on continue. Ça repasse avec de la déco. Elle a pris des fausses fleurs comme ça. Ça fait un peu des lianes, vous savez, avec des petites feuilles. C'est pour mettre comme ça, en fait, là. Vous voyez ? Il y a marqué en donc, 1m80. Ouais. Ouais, 1m80. L'autre aussi. Et elle en a pris la même chose, mais comme ça. Comme ça, elle va pouvoir entortiller les deux. C'est pour décorer, voilà, dans sa chambre. Et elle va bien voir comment elle va mettre ça pour décorer. On vous fera voir une fois que ce sera posé, qu'elle aura fait sa petite déco et tout. On vous fera tout voir de toute façon. Ensuite, elle a pris trois petites étagères carrées comme ça. C'est un petit peu le même style que ce que Shirley avait pris dans sa truc. Sauf qu'elle était blanche. Donc voilà, elle s'est pris ça pour pouvoir mettre ses petites décos dessus, etc. Et ensuite, elle a pris un petit masque bulle comme ça au charbon. On les avait déjà essayés, ceux-là, on les aime bien, c'est rigolo à faire. Je trouve pas que ça fasse un truc fou à la peau. Elle est un petit peu plus douce après, mais je trouve pas que ça fasse un effet de bœuf non plus. Mais ils sont agréables à mettre et c'est rigolo. Et elle a pris un deuxième coussin du coup avec couleur, des motifs en fait, comme ça. Voilà, celui-là, les canons aussi, j'aime bien. Et derrière, c'est pareil, c'est tout... tout molleton et tout doux. Donc voilà, ça c'était pour Action. À H&M, du coup, elle s'est pris une ceinture. Voilà, une ceinture. Je voulais la prendre sur Shein avec ma commande, mais en fait, j'ai pris en magasin. Oui, voilà, comme ça, elle l'avait tout de suite, elle a mis la même sur Shein. Donc, écoutez, voilà, elle s'est pris une ceinture, ça, c'était à H&M. Et elle a voulu prendre aussi pour mettre en déco dans sa chambre, je ressentant qu'elle nous saoule avec ça. Elle s'est pris deux vinyles, parce qu'elle a vu des décos sur des sites ou je ne sais pas où. Et donc, je vais leur faire voir l'intérieur. Donc, du coup, elle veut les mettre sur sa... Comment ça s'appelle ? Sur son mur, pardon, je vais y arriver. Et... Hop là, celui-là il est trop canon. Ouais. Regardez c'est comme des il est trucs trop de beau. Disney. C'est des chansons de Disney. Ça, c'est toutes les chansons, les plus belles chansons de Disney. Mais elle voulait les écouter. Oui, mais j'ai il pas est la trop machine. Beau. Ben oui, on avait la machine pour écouter mon cœur, donc ils n'ont pas la montée non plus. Donc elle a pris celui-ci.
Bon, elle a pris les moins chers qu'il y avait, hein, parce que vu que c'est pour de la déco et pas pour écouter, autant vous dire que ça ne sert à rien qu'elle mette une fortune là-dedans. Une fortune, je ne sais même plus parler. Et le deuxième, c'est un de Stevie Wonder. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un basique, tout simple. Voilà. Mais c'est beau. On peut mettre ça sur son mur. Voilà, elle est contente. Donc voilà pour ce petit haul. C'était un petit peu décousu dans tous les sens, un peu tout mélangé, mais voilà. Bon, du coup... ben voilà, je pense que vous avez fait voir. Et moi, je vais peut-être manger un petit peu quand même. Parce que je commence à avoir vraiment faim. Ouais, il est un petit peu 15h30. C'est bientôt l'heure de goûter. Moi, je vais manger. Charlie est en train d'essayer son truc boucleur là. Son truc dans mes cheveux. Tu m'as dit que tu essaieras sur moi. Oh. En fait, il y a deux embouts. On ne voit pas le gym, mais il y a deux embouts. Ah oui, il est en train de charger. Voilà la boucle que j'ai faite. Wow. Alors, ça. C'est un nouveau truc ? Ouais, c'est moi qui l'ai acheté. Oui, non, mais je ils sont belles les boucles, la boucle. Hein. Ouais, ouais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous a pas repris hier soir. Parce que franchement, quand j'ai fini le hall, etc., il a fallu s'occuper du goûter des loulous, il a fallu s'occuper des douches, laver la tête de toutes les filles, etc., remettre en place un peu la maison. Ensuite, il a fallu faire à manger et tout et tout. Et franchement, ah, j'étais claquée. On s'est pas couché si tôt que ça, mais voilà, j'avais juste besoin d'être calée. Il m'a fallu. Je m'en fais un peu de montage de vlog histoire de me poser un peu, souffler, etc. Parce que oui, ça me détend de monter les vlogs. Et oui, on n'est pas parti non plus se coucher hyper tard. Je crois à 23h, on devait peut-être dormir, il me semble. Je ne sais même plus exactement. Et là, du coup, on est donc le 31 et je file directement travailler. Et je travaille toute la journée. Donc, je ne vais pas vous reprendre aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai demain. Bref, je file travailler. Donc, comme je vous disais, j'en ai pour la journée. Je finis à 16h. Je rentre vite fait entre midi et 2. Mais ça va être voilà, juste pour manger sur le pouce vite fait. Donc je ne vous reprends pas. Je clôture donc le vlog d'hier ce matin. C'est très bizarre, mais voilà, au moins c'est fait. Et je file affronter le froid. Parce qu'il y a tout qui a gelé de ouf. La voiture était gelée. Un truc de fou. Heureusement que je l'ai vu avant et que j'ai pu aller l'allumer. Parce que franchement, sinon, il aurait fallu que je gratte pendant 3 heures. Tout le monde fait encore dodo. Il est 7h30. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.